Le Dunkerque, ouais. Allez, ça y est, ça y est, ça y est. Duta, recruté par l'USLD, voilà. Voilà, 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 mais ça devait arriver, ça devait arriver. Il voulait pas de moi en tant que joueur à l'époque. Je l'ai pas mal pris, j'ai fait bon. Ok, 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 certes, j'ai pas le niveau, je vais aller me faire autre part. Bam, équipe de France, je suis fort. Et là, je reviens, je fais les gars, j'ai envie de vous coacher. Alors, les dirigeants de... Le Dunkerque, ouais, enfin... Enlevez-le, l'apostrophe, les deux. C'est pas grave, je vais dire... Voilà, voilà, parfait, tout est parfait pour ce début de stream, tout est bon, la phrase hommage, le lien vers le Discord que faut absolument suivre les amis. Non, tout est bon, je réfléchis que je serais un peu con, mais tout est bon. Bon, ça faisait longtemps que j'attendais la sortie de ce jeu, très longtemps, au point de... j'ai craqué, c'est l'un des seuls jeux que j'ai précommandé dans ma vie. J'ai pas souvent précommandé des jeux. Non, je crois c'est le deuxième, je crois que j'ai précommandé dans ma vie. Le premier c'était bah, il y a quelques mois, Star Wars Squadrons, que je regrette peut-être un peu. Je vais pas mentir, je regrette peut-être de l'avoir précommandé vu que j'ai joué genre une fois. Peut-être que quand il y aura plus de contenu, mais bref, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, il ressemble à Rocco Siffre. Putain, mais c'est pas vrai. Oh mais non, mais c'est... Je suis vraiment obligé de lire ça, genre... Merci. Écoute, j'essaie de faire un... Ouais, en fait, je crois que c'est vraiment la forme du visage qui est... La coupe de cheveux... Ouais, je vais essayer de le changer au pire, hein, c'est pas grave. J'essaie de faire un truc qui me ressemble pas forcément à moi, mais qui fait un peu... Non, je sais pas ce que c'est... Ouais, je sais pas, il a l'image du ballon ici, genre il est... On comprend pas le sens, ouais. Mais... Bref... Clap. Non, non, ça c'est pas moi. Ça faisait longtemps que j'attendais le jeu. Putain, et 40 balles la précommande, franchement, c'est rentabilisé. Ce jeu est juste incroyable. J'ai joué avant la bêta. J'ai joué la bêta pendant 2 jours parce que je me suis rendu compte que je pouvais y accéder comme un couillon. Il est déjà plus beau que toi. Exactement, mais au moins toi t'as compris quelque chose, toi. C'est bien. Voilà, c'est ça. Le but c'est qu'il soit plus beau que moi. Mais le fait est que ce jeu, m'ayant coûter de l'argent, on va le rentabiliser maintenant en créant une nouvelle carrière et je fais un truc qui n'est pas du tout RP parce que je vais faire entraîneur de club et sélectionneur. Et ce qui est beau les amis, c'est qu'on va aller en 3ème division et on va prendre... Ben je suis con, ouais j'ai pas respecté. Putain, ouah. C'est bien, le mec se revendique supporter d'un Dunkerquois. Et il va chercher en national son équipe. Allez. Le Dunkerque, ouais. Tu ne me suivais pas. Mais écoute, donne l'exemple et fais cette même technique que tu viens de faire là avec d'autres. Tu sais, appuie sur suivre. Tu demandes à d'autres gens de faire la même chose. Tu verras, ça donne un truc incroyable. Genre une petite animation, tout ça. Ah, puis ça mange pas de pain. Évidemment, parce que c'est les oiseaux qui mangent du pain. Enfin, limite nous, et... pas un ordinateur, tu vois, mais tu m'as compris, quoi. Pologne, hop, Portugal. C'est pas grave. Ouais, et il y aura aucun commentaire chelou, mais les deux drapeaux, là, on va pas se mentir, Slovaquie-Slovénie, je sais pas qui s'est inspiré du premier. À la Turquie, on va mettre l'Ukraine aussi, parce qu'il y a des bons clubs là-bas. En fait, je me réfère soit aux joueurs que j'ai pu avoir dans d'autres parties de Football Manager sur le 20, soit sur des équipes. Genre, je sais que l'Ukraine, je connais pas. Je sais juste que de là-bas vient le Shakhtar. Je connais aucune autre équipe. Et je me dis juste pour la beauté du Shakhtar, on va le mettre, quoi. Alors, je rigole, mais imagine quand même. Attends, au pire, je crée des bots. Non, je rigole, mais imagine quand même. Écoute, on n'est plus à ça près. Non, je déconne. Non. J'imagine quand même. Argentine, Brésil, on peut pas. Franchement, pour moi, lancer une game de Football Manager ou de n'importe quel jeu de foot sans l'Argentine ou le Brésil, c'est ne pas vouloir jouer au foot. C'est comme avec l'Angleterre, tout le bordel. C'est une trinité de foot de base. Genre, tu peux pas les exclure.
Colombie, on va mettre peut-être ceux-là. Oh, putain, Pérou, je sais pas, sauf le Pérou. Et j'aurais mis tout le monde de l'Amérique, sauf le Pérou. Ça fait vraiment exclusif. L'Afrique du Sud, je sais que je vais mettre, parce qu'il y a des bons joueurs là-bas. Il me semble qu'il y a des bonnes équipes qui peuvent fournir des joueurs. Malaisie, Singapour, j'avoue que non, ça m'attire pas du tout. L'Inde, c'est l'inverse de Brésil, Argentine, Angleterre, en fait. C'est pas du tout des pays dans le délire du foot, donc on n'en tirera rien. Pareil pour l'Indonésie, je connais pas. Hong Kong, je sais pas où c'est. Je suis nul en géo, putain. Mais c'est pas grave. C'est la vie. On va mettre la Corée du Sud. Bah attends, Corée du Sud, j'adore l'Asie, faut pas déconner. L'Australie, la Chine. Oui, alors après, j'adore l'Asie, mais regardez tout ce que je mets pas. Je mets. Y'en a combien ? Attends, j'en mets que 3 sur. Ah ouais, non, bah, j'ai rien dit. J'en mets que 3 sur. 2, 4, 6, 8. Sur 8. Alors j'avoue. Ah, j'avoue, c'est chaud. Mais c'est logique, parce que plus j'ajoute des trucs, plus la base de données, elle est immense. Le Baker, ouais. Allez, ça y est. Duta, recruté par l'USLD, voilà. Voilà, mais ça devait arriver. Il voulait pas de moi en tant que joueur à l'époque. Je l'ai pas mal pris, j'ai fait bon. Ok. Certes, j'ai pas le niveau, je vais aller me faire autre part. Bam, équipe de France, je suis fort. Et là, je reviens, je fais les gars, j'ai envie de vous coacher. Alors, les dirigeants de Dunkerque, ouais, enfin, enlevez-le, l'apostrophe, c'est pas grave, je vais dire à l'oreille. Alors, les dirigeants de Dunkerque ont confirmé aujourd'hui que Louis Dutta avait pris la tête de l'équipe. La nomination de l'entraîneur de 20 ans qui était resté éloigné des terrains un certain temps. Merde, j'ai 20 ans, ah quel con, j'ai totalement zappé de modifier ça. C'est vrai que ça fait jeune en fait. On a étonné quelques-uns au monde du football et les journalistes présents à sa première conférence de presse au stade Marcel Trébu. J'en ai dans le cœur. Auront sans doute de nombreuses questions à lui poser. Dutta a signé un contrat de 2 ans. Ah, et 2 ans seulement. Ouais, bah tiens, après je viens de signer, etc. La première fois que je suis entraîneur. Enfin, j'ai un diplôme. Dutta a signé un contrat de 2 ans s'élevant à 15 500 euros par mois. Putain, ils ont ce budget, hein, Dunkerque. Putain, Dunkerque IRL, quand vous voulez, hein, je vous mets de former chez vous. Hein. Ah ouais, du staff. Je suis partant. Je suis partant. Il succède à l'ancien entraîneur Fabien Mercadal. C'est là où c'est encore du putain de non-RP, parce que lui il a remplacé Claude Robin. Et il est normalement en poste. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il devait être en poste pour cette année-là. Pour cette année-ci. Donc c'est-à-dire qu'ils l'ont recruté pour le virer juste après. En raison, il y a mieux. Putain, là. Il n'a pas une réputation de sauveur d'équipe, ce qui devrait rendre les choses intéressantes, alors que de nombreux consultants prédisent que le club sera à la lutte pour le maintien cette saison. Oh, c'est trop cool ça! C'est-à-dire qu'on est jeune promu, mais ils nous voient quand même comme. Ça, j'aime bien. Franchement, je trouve ça plutôt cool. Enfin, voilà quoi, voilà, c'est quelque chose de plutôt quali. Alors, directeur sportif Jocelyn Blanchard, ouais, Benjamin. J'ai réussi à mettre les photos, ça, ouais, ça fait du bien. Alors, niveau de réputation, ah ouais, pas mal, assez bonne réputation, là, Kirk. Hein. Et... prévision des médias, dernier. Bon. Après, c'est vrai que si on suit logique, ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas rejoint la deuxième division. 2677 places, on a de la qualité. Stade Fort Valière, ah, encore une fois, je suis allé courir là-bas, c'est faux. 2 fois dans ma vie. Centre d'entraînement au-dessous de la moyenne. Structure de formation rudimentaire, fondée jeune rudimentaire. Ah, c'est rudimentaire, c'est pas médiocre. Alors, on a été fondé en 1954. Ouais, on va jouer dans les grandes lignes. Alors, ouais. Alors, possède un centre d'entraînement de la moyenne. Ouais, ça, on l'a déjà eu ici. L'équipe junior, ouais, terrain synthétique. Le club possède également des. Ouais, ça va, c'est rudimentaire, donc ça veut dire que ça passe quand même. Bah, j'ai envie de dire, pour un club de Ligue 2 qui vient de National et qui n'est pas venu en Ligue 2 depuis longtemps, je trouve que c'est pas mal. C'est efficient, c'est pas mal. Les meilleurs résultats obtenus par le club ont été dans les années 2010, et bien qu'il n'ait remporté. Il n'a rien remporté depuis 7 ans, son dernier titre remontant en 2013. Ses supporters pouvaient être fiers de se passer. L'équipe de Dunkerque a remporté la 4ème division française en 2013 et 2013. Quoi ? Il a fini une fois la deuxième place. D'accord. Donc on a la coupe du National 2 groupe 1 en 2013 et la National 2. Ah d'accord. Ok, donc on a gagné le sud de notre groupe. Donc du groupe A. Mais vu que c'était le groupe national, on a gagné le National 2 de base, je crois, c'est ça. Je pense que c'est ça qui était. Suivant.
Alors, est-ce que c'est respecté? Vachou. Alors, j'ai rien contre lui, mais... Ouais. Tractuel. Kebal, mais non, moi je voulais... Mais je voulais le faire jouer, Kebal, putain. Ça fait du bien de voir leurs photos, putain, c'est beau. C'est pas du tout la compo de derrière. C'est pas du tout ça. Normalement, ils sont en... Ils sont en 4-4-2, je crois, un truc classique, comme ça. Oh, j'ai plus de souvenirs, je suis con. Voilà. Le Dagger, ouais. Cette fois, on passe à la sélection française. Ok, mon nom est entraîneur. Enfin, sélectionneur. Maintenant répartir son temps entre le club et la sélection, il reste à savoir si des conflits d'intérêts surgiront ou s'il parviendra à gérer la pression supplémentaire de ce nouvel emploi. Je suis confiant sur l'emploi du temps et les choses à gérer. Dans le sens où sur FM20, j'avais ma carrière avec le LOSC et de l'autre côté, j'étais sélectionneur de l'Angola. Je l'ai été pendant 2 saisons, je crois. Ouais, 2 saisons. Oh, j'ai pas forcément fait du feu, j'avais pas réussi à me qualifier pour la Coupe du Monde ni pour. Enfin, je me rappelle que je m'étais pas. La Coupe d'Afrique des Nations, il me semble que. Ou je sais plus quel autre. Non, c'est la Coupe. Bah, c'est la Coupe d'Afrique, ouais. J'avais pas réussi à me qualifier en les phases de groupe, j'y étais, mais j'avais pas réussi. Je crois que j'étais 3ème ou je m'étais pas qualifié pour les phases de groupe, je ne sais plus. Mais mes dirigeants étaient contents de moi. Parce qu'ils savaient que l'équipe n'était pas non plus la meilleure du monde, mais j'arrivais à faire quelque chose avec, quoi. Alors, Dutton n'a aucune expérience à ce poste et devra désormais faire ses preuves le plus rapidement possible. Ça fait bizarre de dire mon nom de famille, genre, comme ça, genre, Dutton, c'est. C'est chelou. Alors on a Giroud, Wayne, Tolisso, Pogba, Kanté. Je vais faire quelques petits changements, genre refaire venir tout ce qui va être. La casette me fait envie. La casette me fait vachement envie. Je vais pas mentir. J'aime bien le joueur. Je me dis vu que là c'est qu'un jeu, donc il n'y aura pas de panique. On peut se permettre de le faire revenir. Ouais, j'ai envie de le faire revenir à l'équipe de France. Comme Rabiot. Je le ferai peut-être revenir, je ne sais pas. Enfin, tout dépend de mon jeu, c'est pas vraiment, c'est pas un joueur que j'aime ou que j'aime pas. Je connais ce joueur, je sais qu'il a des qualités. On verra dans le jeu s'il les développe. S'il les développe, je l'appelle. S'il les développe pas, je vais être réticent. Surtout qu'en plus, on va avoir Kamavinga qui. Pogba et tout le bordel qui vont. Kanté qui vont assurer le milieu normalement. Donc s'il y en a qui commencent à être moins bien, bah ça peut corriger la place de l'autre. Enfin, pour présenter aux médias, je suis d'accord. Donc je vais faire 2 conférences de presse. D'accord. Oh, pour l'instant, dans la prochaine saison, on a 1 million de budget. Si je fais pas une dépression, je suis pas viré d'ici là. Après, une sélection d'équipe. Alors, ouais. Je vais y aller tout de suite. Enregistrement. Alors là. Est-ce que là on est bon? Tout le monde est là. Kevin Rocheteau, ça sert à rien. Ça me fait mal, hein, mais. Je vais retirer tout ça, je vais rafficher ça. Alors là, qu'est-ce qu'on a parmi eux? Ils sont tous enregistrés, ils sont tous en mode OK. D'accord. Puis ça va, vu que c'est une petite équipe, y a pas ce truc de orieux. Enfin, ça va. Mais y'en a qui pourront. Eh. Ils sont jeunes, hein, mais ils ont largement de talent pour bien jouer pour une équipe. Hein. Ok. Ok, on n'a pas de U10. Ah, on n'a pas de U19. Ok, je vais devoir régler ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Attendez, il est pigé pas. Il a rien changé. Non, là, je pige pas. Qu'est-ce qui s'est changé là? Je sais pas, il y a toujours 35 joueurs. Je sais. Ah, quoi c'est pas bien, c'est quoi? Donc c'est quoi? Le GGM pressing. Les points d'être en attente de tous les joueurs de l'équipe qui doivent être en bonne condition physique et suffisamment mobile. Oula, t'es chaud. Ok. Contact positif avec le ballon, passe dans l'espace et de la défense. Rythme extrêmement élevé, plutôt action. Autorance
Basel, je vois les braves. Long ballon devant, et long ballon devant, ça peut être cool. Moi, ça va être ça. Ça, ouais, j'ai bizarre, mais pour moi, c'est. Là, ça va être la partie de tout la plus longue, sans compter le temps d'attente de la chute de sortie. Le Dunkerque, ouais. Alors, qu'y a-t-il dans le centre de Maraval? Ouais, j'imagine. Alors, hop, ah, c'est kiffant ce genre de... enthousiasme, je n'ai pas. Les inquiétudes concernant le retrait des membres à cette capitaine, mais le fait que vous soyez venu m'en parler est très important pour moi. Très important, ouais, je sais parler, là, en effet. Ouais, ouais, dis donc, dis-nous, qu'est-ce que je parle bien, putain. Je suis défoncé, même pas besoin. Sans moi, il n'y a plus rien à faire. Parfait, récapitulatif, ouais, c'est pas possible. Ça a été bien accueilli, ça a bien fait positif sur son moral. Ah, il est passé de je suis dépressif à bon, ouais, je vais peut-être pas acheter la corde tout de suite. Cette conversation semble avoir créé des liens d'amitié, un des liens entre eux. Des liens d'amitié. Viens, mon pote, on va se boire des pintes. Il a quel âge, Maraval? 23, non, 26 ans. Il a 26 ans, donc j'en ai 20. Pas encore en vrai, mais ça ne saurait tarder. Un an, soon. L'année prochaine, tout ça. Je suis d'accord pour tout ça. On va se présenter. Et là, c'est kiffant. Là, quand j'ai fait ça, parce que j'ai commencé une carrière solo, de mon côté, tout seul avec le Barça. Quand j'ai fait ça avec les joueurs du Barça, mais peu importe l'équipe que tu prends en bref, c'est jouissif quoi, t'as des joueurs connus en face de toi. Mais moi ces mecs là, j'en ai rencontré 2-3 en vrai, j'ai des signatures, etc. quoi. Ouais, c'est peu que... voilà quoi, c'est Yosun, il nous est effectif of Dunkerque quoi. En effet. Ah, je suis con, je souhaite revenir cette saison, ouais, vous me présenter personnellement en tant que nouvel entraîneur. Ok, je me présente. Ils sont tous favorables. Il y en a qui sont même encouragés. C'est bien. Donc là on a Joris Romil. C'est ça qui est kiffant, c'est qu'on voit qui parle et qui dit quoi et qui réagit différemment de la plus belle des manières. Bref, voilà. Bon, bienvenue, j'espère qu'ensemble nous réussirons de grandes choses pour le club, avec vous à la tête de l'équipe, mais bien sûr les amis. Et encore là, je peux pas encore le faire, et il y a des levées de mains, oh ça va, je combat. Ouais, effectif, je m'en fous, mais attends. J'ai rien de spécial à dire, je pense. Hein. Ah, ils sont tous neutres. Bah, après, j'ai employé un ton neutre parce que j'ai pas vraiment de promesse à leur faire. Je vais pas forcément être actif sur le marché des transferts. Peut-être grappiller 2-3 prêts de bons joueurs si je peux. Mais pour l'instant, rien de spécial. Alors, lui, il est démoralisé. Je ne sais plus trop où on en est maintenant. Je m'attendais à des promesses claires de votre part. Ok. Je pense que nous sommes capables de terminer en milieu de tableau. Finalement, qui est insuffisant pour nous, pas nous. Pour le maintien, je suis trop optimiste. Enfin, je pense que nous avons de nous sauver cette saison. Je pense que nous avons les moyens d'éviter. Sans, il faudra en passer par les barrages. Je pense que je vais dire ça. Voilà, ils sont satisfaits, mais c'est logique. J'ai envie de dire, même si ça leur a pas plu, c'est logique parce qu'on vient national, on n'a pas touché à la Ligue 2 depuis des années. Eux-mêmes, voilà, même si les joueurs de base, même s'ils viennent de club, après tout dépend, mais chaud. Donc bon, ils ont pas forcément d'expérience dans la Ligue 2, donc ça va être très très chaud, mais ça peut le faire. Il va falloir tout donner pour espérer pouvoir nous maintenir, mais je sais que nous en sommes capables. Et c'est là où ça s'entre en jeu. J'ai joué entre ne pas faire de gestuelle, voilà, direction de l'autre. Et là,
avec assurance, signe de la main pour persuader, les mains levées pour faire du calme, encourager avec les poings serrés ou les bras écartés pour féliciter, et ben moi je vais parler de manière encouragée. C'est exactement le type de réaction que j'attendais. Bam. J'écoute également aller loin. Voilà, hop, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Yes, putain, ça c'est beau, ça, quand tu t'entends avec ton staff, tes joueurs, tes dirigeants, c'est que du bonheur. Et je ne parle pas de... ce n'est pas copyright, j'espère de dire cette phrase. Et je vais refaire les points serrés, ce que j'aime bien. Hop, ils sont tous satisfaits, c'est génial. Ils sont contents, satisfaits. Voilà, parfait. J'ai également finalisé le code de conduite que vous avez suggéré, et hop. Et l'action de note. Ah. Le code de conduite semble convenir, tout va bien. Voilà. Il n'y a rien de spécial, c'est pour ça qu'il est neutre. Il n'y a rien de spécial. Voilà. C'est toujours. On va parler qu'assurance. Voilà. Oh, quoi? Oh, j'ai dit de la merde. Oh, j'ai dit de la grosse merde. Ouais, ils sont tous partis en négatif. Négatif démoralisé. Peu négatif pour l'instant. Peu négatif pour l'instant. Oh non. Ça les a fait augmenter légèrement ou ça a stagné? Non, ça stagne en fait. Ça stagne. Ça me bouge. Ouf, si. Ouf. Alors lui, tout seul, mon pote, lui, il m'aime bien. Lui, il me kiffe. Ah, chaud quand même, hein. Putain, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ça aurait cet effet là pour moi. Genre, parler avec l'assurance en disant ça vous sera bénéfique, dans le sens où, sans être méchant, le code de conduite il est pas non plus hyper sévère, mais il est là pour montrer que bah, il faut pas faire de conneries. Voilà. Si c'était la conférence de presse, la casette, putain, faut pas que j'oublie. On va débuter. Ok, alors enfin, les hostilités avec une première question de Victor Ignatovitch. De Gaulle. On débute. On attend beaucoup d'un sélectionneur, et particulièrement qu'il soit capable d'obtenir des résultats dès sa prise de fonction. Pensez-vous être capable d'effectuer de bons débuts à la tête de l'équipe de France? Frappez les poings sur la table. Non, on va éviter. Agiter le doigt, c'est quoi? Non, je vais faire sans gestuelle, je pense. Ouais, je pense qu'on va bien débuter. En vrai, ouais, c'est l'équipe de France. Je manie un peu le jeu, mais pas la vraie vie. Donc ça devrait aller. Alors, la pression inhérente au rôle de sélectionneur national est énorme. Et particulièrement la constante présence des médias autour de l'équipe et du sélectionneur. Vous sentez-vous capable de gérer cette pression? Et écoutez, pour dédramatiser, d'accord. Je suis conscient de la pression actuelle. Voilà, hop. En acceptant ce poste, vous rendez encore plus compliqué un emploi du temps déjà bien rempli. Pensez-vous être capable de mener de front vos rôles d'entraîneur et de sélectionneur? Franchement, je pense en être parfaitement capable. Vous avez souhaité devenir entraîneur alors que vous n'avez que 20 ans. Certains ont critiqué cette décision, affirmant que vous aurez du mal à vous faire respecter dans un vestiaire comprenant des joueurs plus âgés que vous. Que répondez-vous à cela? Alors qu'un entraîneur soit plus jeune, il faut espérer que ce ne sera pas un problème. Voilà, bah, je pense que je dire ça, c'est pas mal. Ça me correspond bien. Alors, votre nomination en a surpris plus d'un, étant donné votre manque d'expérience à ce niveau. Pensez-vous vraiment être à la hauteur de la tâche qui vous a été confiée? Confié, pardon. Je sais de quoi je suis capable, on pourrait le voir. Non, je dirais que je sais de quoi je suis capable. Nous croyons savoir qu'une de vos priorités est l'intégration des jeunes joueurs à votre équipe. Comment cela va-t-il se traduire dans votre quotidien? J'ai l'intention de donner leur chance à ceux qui le méritent et... Ceux qui le méritent de prouver. Ils peuvent évoluer à ce niveau. J'aime bien cette phrase-là. C'est une réponse de... Voilà, c'est la tchatch comme je les aime. Votre premier match à la tête de l'équipe sera face à la Suède en Ligue des Nations Division A. Ah, pensez-vous être prêt si peu de temps après votre arrivée? Nous sommes prêts. Voilà. Je les estime prêts. Ouais, je tire un peu trop de conclusions là-dessus. Alors, on parle avec une certaine inquiétude dans la presse du nombre élevé de joueurs âgés en équipe de France. Allez-vous vous destiner à sélectionner ces joueurs à l'avenir ou allez-vous déjà rajeunir l'effectif? Je compte rajeunir l'effectif. Un joueur âgé expérimenté ne veut pas forcément dire qu'il restera bon. Parce que, certes, on se base sur le IRL, mais Giroud, là, encore aujourd'hui, IRL, il fait du taf en équipe de France, etc.
Pogba pareil, enfin après Pogba ça va, il est encore jeune, mais est-ce qu'ils sont encore capables de réellement dans le jeu apporter des trucs, ça j'en sais rien, tout va dépendre. Et Giroud, il se peut rendre que ce joueur là je ne l'appelle pas et que je prévise d'autres joueurs, d'autres buteurs. C'est franchement possible, ouais, pour le poste de Giroud c'est possible, franchement ouais. Donc oui, poser quelques joueurs, jeunes joueurs qui sont en tête dans ce pays, je vais bien sûr me donner leur chance, ouais. Alors oui, mais pas l'emploi à tout le monde. Alors il se dit que vous allez choisir vos joueurs plus en raison de leur réputation que de leur prestation. Avez-vous un commentaire à apporter? Non, non, c'est je vais appeler les meilleurs joueurs et forcément, voilà, les grands noms font partie de ma liste. Non, je veux dire que j'appellerai ceux qui le méritent. Donc certains joueurs sont connus pour beaucoup s'impliquer alors que d'autres se tiennent plus en retrait. Quel est votre style? Voilà, je veux que chaque joueur sache bien qu'il peut venir me parler à tout moment. Et je parle comme Samuel Tien de... Non, Matt Lesigui de E égale M6. Envisagez-vous de changer de capitana ou Hugo Lloris va-t-il conserver le brassard? Il a toute ma confiance. De nos jours, les joueurs doivent faire face à une grosse pression en raison du nombre élevé de matchs qu'ils disputent dans leur club. Est-il important pour vous d'entretenir de bons rapports avec les entraîneurs de club afin de trouver des moyens d'éviter que les joueurs ne soient cramés lorsqu'ils sont appelés en sélection? Décidons la stratégie adoptée. Voilà, parfait. On va terminer. Hop, c'était la dernière. J'estime que votre confiance en place a provoqué une réaction légèrement positive. Légèrement, c'est-à-dire que j'ai dit des conneries. Alors, on attend beaucoup d'un sélectionneur, particulièrement qui soit capable d'obtenir un résultat. Ok. D'accord. Bon, on peut quitter la réunion, passer à la suite. Très bonne dans ton équipe première, mais même pas ça. C'est bizarre quand même. Enfin, genre, ils ont baissé son potentiel de ouf. Pourtant, il a l'air d'avoir un très bon avenir, pourtant, le gamin. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Alors, voilà, je vais faire deux trucs. Tout con. Mais je suis désolé. Mais alors, désolé pour les fans de Marseille, mais pour moi, entre Mandanda et Maignan, il n'y a pas photo. Je vais éviter de lancer des débats, hein, mais... parce que ça peut être houleux. Houleux, les amis. Le Dunkerque, ouais. Alors, c'est la rencontre tout de suite. Tu en comptes entre nous, c'est tranquille, c'est... voilà. Pépouze. Voilà, c'est... Pépouze, ouais. Oui, en effet. Ah bon, c'est le coup d'envoi. On verra bien où ça nous mène, on verra bien. Attendez. Aïe. Alors, mais arrêtez de mettre le dagger, c'est complètement con, c'est dégueulasse. On peut voir leur truc, etc. Si je fais ça. Oh, je peux directement choisir un remplacement dessus, c'est incroyable. Je peux voir directement ce qu'il a, trop sûr de lui, il y en a un bouton d'avance. Je peux changer son truc d'ici. Consigne individuelle, ouais. Consigne du banc. Oh putain, mais. Génial. Bon, c'est vrai. Vu que c'est mon. C'est la stratégie du club de base que je dis, ouais, c'est vrai que les équipes 2 et 8-19, elles vont découler de la même strat que moi. Donc ils vont accidentaliser le ballon. Franchement, ils vont être moins. Pour moi, on les va les dominer sur ce truc-là. Ils vont moins savoir faire des ballons pour moi. Oh, Chukunte, Chukunte, ça passe! Et le but! Première action de ce stream! Un premier but de ce stream. Ah, il est beau. Franchement, on va se le remater. Ah, c'est combien de temps que j'encourage, d'accord. Bosca, mais, Bosca, il centre directement sur lui. Bam. C'est dommage, parce qu'en vrai, c'était bien tenté de ne pas nous garder en face. Le Dunkerque, ouais. Ah, je voulais voir le loss. Je suis un gaga. Je suis un fana. Je suis isolé. Calendrier, propose un amical, équipe première. Ça j'annule. Sur réponse, ils ont accepté, on ne sait pas. Et ici je fais voilà, c'est sûr, voilà, perfect. Attendez, oh, aucune réputation, hein.
Non, touche pas au programme. Et c'est même pas comme année, je sais. Bah franchement, c'est bien éclaté. Enfin, moi je me suis bien éclaté, j'espère que vous avez pris du plaisir en regardant ce stream. Je vous ai bien diverti. Je vais essayer de me mettre au montage. Généralement, ce que je vais faire, c'est que ce sera 2 streams semaine. Je me laisse le week-end pour. Enfin, je me laisse le reste de la semaine et le week-end pour dire de terminer mon montage. Et une vidéo sortira chaque semaine. Je dirais le mardi ou le mercredi, je ne sais pas encore. Tout dépendra de si j'arrive à bien me mettre au montage, etc. Parce que c'est nouveau pour moi. Mais en tout cas voilà, et c'est peut même que si j'y arrive bien et que j'arrive à me plaire dans mon montage et que j'arrive à faire des trucs quali et que je comprends, etc. Il se peut que qu'il y ait des vidéos bonus, c'est-à-dire que je me tiendrai une vidéo semaine, mais s'il en faut plusieurs, si je dois sortir une deuxième, genre je fais un stream, sur mes deux streams, il y en a un que. Enfin, le stream de FM, lui, sera forcément best-of sur YouTube. Mais le stream. Le deuxième stream, ce sera souvent des jeux annexes, genre encore du LOL ou d'autres jeux, où ce sera peut-être pas forcément intéressant de forcément tout mettre sur YouTube. Après, peut-être faire un petit best-of marrant, etc. Une petite compile, des meilleurs moments. Voilà, d'autres best-of, hein, MDR. Mais voilà, mais ça, tout dépendra de si j'ai le temps, si j'y arrive, si j'ai la motivation. C'est, tout va dépendre parce que j'ai les cours à gérer, l'emploi du temps à gérer, l'apprentissage du montage à gérer. C'est beaucoup, c'est nouveau pour moi, il faut que je m'y mette. Je m'y suis enfin mis là, faut que je prenne encore le courage et la motivation de continuer, faut surtout pas que je m'arrête. Et de toute façon, maintenant que je le dis là, je me suis engagé, je le ferai. Et ça sera peut-être pas forcément des montages de ouf au début, mais je vais tout faire pour en apprendre plus, utiliser les meilleurs logiciels, faire en sorte d'apprendre les plus bons tips, etc. Et voilà, je vais essayer d'aller de mieux en mieux, donc ce sera des produits de plus en plus qualitatifs. Et je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. C'est une fan de stream. Oui, je parle un peu comme Didier Deschamps. Un effet, il va falloir revoir un peu l'effectif. Notamment avec la participation de Kylian Mbappé, qui va devoir remettre débuter courir assez vite. En effet, je conçois que cela ne va pas du tout avec la musique qui passe derrière. En effet, ce sont des points parfaitement. Oui. Oh putain. Bon allez, c'est une fin de stream. Je vous dis salut à tous, bonne soirée ou bonne nuit. Et sur ce, je vous laisse. Ciao.